Alors, je reprends parce que la vidéo coupait. En fait, je voulais tout simplement vous remercier. Je suis de retour à la maison. Et la journée a été tellement juste parfaite, merveilleuse. Donc, merci d'être venu au rendez-vous. On inaugurait la maison à Elmer. Sans créer d'événements. Donc, on voulait le faire en respectant la distanciation. Donc, c'est la première fois que j'étais sur place puis que je pouvais aussi vous voir puis vous accueillir dans la maison. Puis, c'était très touchant, très, très touchant. Une après l'autre, plusieurs qui êtes dans les accros. Vous m'avez fait rire. J'ai rencontré le mari, donc de celle qui. Donc, le mari qui mange le coco, exfoliant coco de sa femme. C'est des histoires qu'on vit depuis le début du confinement. Plusieurs qui étaient là aujourd'hui me disent qu'elles nous ont donc découvert pendant le confinement. On a vécu tellement d'histoires en 12, 13 semaines, 400 heures ensemble. En tout cas, c'est mon chum qui a fait le calcul. 400 heures en direct ensemble. On continue, là, je reprends demain matin. C'était merveilleux. Je suis touchée. Donc, c'est 2 heures et demie de route pour revenir. J'avais hâte d'aller vous rencontrer. J'espérais que tout se passe bien, donc avec les mesures du confinement, donc du déconfinement en fait, mais les mesures de distanciation, puis. Et tout le monde était tellement respectueux. Donc, oui, il y avait une file, mais en même temps, vous, dans la file, c'est drôle ce que ça fait. Vous vous parlez c'est tellement chouette. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort de cette journée-là. Donc, juste pour rassurer tout le monde, oui, il y avait beaucoup de monde, mais tout s'est fait dans le respect. Donc, jamais plus que deux, trois à la fois dans la boutique. Les gens respectaient le 2 mètres dehors. Il n'y a pas eu aucun pépin. Et moi, je me promenais, tu sais, à vous rencontrer, à vous jaser dehors, avec les antiseptiques à la porte. Tu sais, tout était parfait. Donc, même si vous allez en ce moment dans nos maisons, c'est la cosméticienne qui va prendre les produits puis qui va vous les donner. Donc, il n'y a pas de manipulation puis tout se passe vraiment super bien. Moi, ce qui ressort pour moi de cette journée, OK, il y en a, c'est ça, qui sont partis de loin aussi. Il y en a d'autres pour qui ça devient leur maison, mais il y en a d'autres qui sont partis, qui ont fait des 2 heures, 3 heures de route comme moi. Voilà. Merci, merci de témoigner, puis d'être venu avec vos enfants aussi, d'être venu en famille. J'ai vu tellement des beaux enfants, dont la dernière, quand je suis partie, qui me remerciait pour le beurre sapin caramel, parce que c'est la seule crème qui est venue à bout de ses mains irritées par le lavage. C'était vraiment, vraiment touchant. Chaque enfant, chaque adulte, jusqu'au mari qui mange le coco de sa femme, qui m'a bien fait rire, que j'ai rencontré aussi, tout le monde. Et merci pour les bons mots. Tu sais, je reviens de là, je vous aurais parlé sans cesse. Je suis vraiment. Comment dire? Ça déborde. C'est comme un trop-plein de bons mots, d'émotions. Et je ne pensais pas que c'était possible aussi de vivre ça en des temps pareils. T'sais, on suit tous les nouvelles. Donc, d'avoir une nouvelle maison, c'est assez particulier, mais on ne savait pas. Quand on a trouvé la maison, on ne savait pas qu'on allait vivre ça. Donc, c'était avant la pandémie. Mais je trouve ça fantastique qu'on puisse. Je ne suis pas surprise. Et c'est pour ça, vous savez, en plus, j'ai décidé d'aller sur place puis d'ouvrir aujourd'hui. Je pense qu'on était mercredi soir. Donc, à quelques jours d'avis, j'ai demandé à l'équipe si elle pouvait être là. Et tout le monde était. C'est juste, on a tellement du beau monde et vous êtes tellement du beau monde et c'est ça. C'est ça pour moi qui me marque. Tu sais, puis ma mère c'est la première fois, ma mère était là à l'ouverture de Sainte-Thérèse, donc notre première maison. Puis elle n'a pas pu vivre les autres.
Puis elle était là aujourd'hui, puis elle était très émue. Je vais me rapprocher de la boutique pour la connexion. Je rentre dans la boutique pour avoir une meilleure connexion. Oh, Daniel! Faible connexion, retour de la connexion. Ça joue à... Daniel, j'étais à Elmer aujourd'hui, puis c'était tellement beau, c'était tellement parfait. Donc, Daniel Jutras du Grenier d'Ernest qui était là aussi, qui a aménagé avec sa soeur, son mari, son beau-frère, là, à la maison avec moi. Il y a combien de semaines, Daniel, qu'on a fait ça? Il y a 2-3 semaines. En tout cas, tout ça pour dire que c'était juste magnifique. C'était vraiment, vraiment une belle journée, très touchante, très... Pour moi, haute en émotion, puis j'ai partagé plusieurs moments avec vous aussi. Des moments d'émotion, des témoignages, des changements de vie que vous m'avez racontés. C'était vraiment, vraiment une belle journée. Les mots me manquent, mais depuis mon départ, donc c'était jusqu'à 4 heures, depuis mon départ jusqu'à maintenant... Ça déborde, ça veut sortir, ça veut... Donc, je devais prendre le moment pour vous remercier d'être venu, d'être présent, d'être là, tout simplement. Comme on le dit souvent, tu sais, c'est pas les médias vraiment qui nous ont portés puis qui ont parlé de nous. Donc, c'est le bouche à oreille et à quel point c'est important que t'sais, tous les bons mots que vous avez, que les témoignages que vous nous racontez, tout ça, j'essaie de... Donc, voilà. Ce qui ressort de cette journée-là, j'essaie de ranger le téléphone, comme vous pouvez voir, c'est qu'on pourrait... Oui, mon maquillage est encore parfait. Notre maquillage tient bien. voilà. Donc, ce qui ressort pour moi quand on se rencontre comme ça, c'est qu'on pourrait s'asseoir, évidemment, non avec la distanciation, mais c'est une image. On pourrait s'asseoir tout le monde ensemble et jaser, échanger. On se rassemble tous autour des mêmes valeurs. On se ressemble. Il y a vraiment quelque chose de spécial, parce que vous, aujourd'hui, dans la ligne, vous êtes noué d'amitié avec des personnes, vous vous reconnaissez, vous échangez, au point où, après, vous êtes resté pour continuer de jaser, et c'est ce qu'on vivait aussi avec la foire, ici, c'est ça, c'était le monde qui attendait, qui se croisait. On est vraiment... on se ressemble, et c'est beau, c'est tellement positif, c'est jusqu'aux enfants qui étaient là, qui avaient tellement des beaux yeux, qui étaient heureux d'être là. Je vous vois toutes, et je suis très reconnaissante, et je suis remplie de gratitude. Voilà. Alors, je voulais vous le dire. Merci. Un immense merci. Merci à l'équipe qui ont répondu en quelques jours. Merci à vous d'être là. C'était vraiment, vraiment une belle journée. Une journée parfaite. Et je vous aime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous, le groupe d'accro, vous me faites bien rire. Je ne suis pas là sur cette page-là, donc quelqu'un d'entre vous a créé ce groupe-là, les accros de Maison Jacinthe. Et oui, évidemment, on m'a mis au courant. Mais là, vous vous affichez comme ça, j'en ai rencontré quelques-unes aujourd'hui, et c'est vraiment très drôle. Vous me faites bien rire, vous exagérez, évidemment. Va falloir que je vous retienne, vous... Vous avez plus de soins, de formules que moi, c'est un peu... Mais je comprends en même temps, je comprends votre passion, tu sais, je vis dedans, mais ça me touche beaucoup. Évidemment, je racontais ça à Sylvain quand je suis revenue, parce que vous vouliez le saluer aussi.
Puis c'est bien, bien, bien touchant. C'est une bien belle histoire. Les personnes qui sont venues pour nous découvrir, c'était difficile de leur dire par quoi commencer, tu sais, quelqu'un qui... mais je suis là et je serai là aussi demain matin avec, avec Nathalie et toute la semaine encore. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. C'était une journée merveilleuse et que maison, la maison Jacinthe là-bas, Elmer, devienne votre maison et que vous soyez bien et à tous les jours comblés. Et tenez-moi au courant s'il y a quoi que ce soit. On est là, on est vraiment, et je veux que vous soyez bien jour après jour avec nos soins, que ça soit n'importe quel niveau. Donc, vraiment. Très, très, très touchée.